Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien, me voici de retour et j'espère que vous avez apprécié cette semaine bonus qui correspondait pour moi à la semaine entre Noël et le Nouvel An. Je ne devais rien faire à la base mais je me suis dit que peut-être ce petit vidéo bonus qui ont été assez rapides à faire vous ferait patienter jusqu'à mon retour. En tout cas maintenant que je suis de retour, nous pouvons recommencer les vidéos. Et avant de commencer celle-ci, je ne change pas, c'était comme ça en 2022, ça le reste en 2023. Je vous conseille de vous installer bien confortablement, de prendre une petite boisson chaude ou froide, selon votre envie, de vous mettre sous votre couette près de votre radiateur ou près d'un feu, si vous êtes un petit peu frileux comme moi. Et puis peut-être prendre quelques petites choses à grignoter, on ne sait jamais. Les appels du ventre ne préviennent jamais. Et pour recommencer et commencer donc cette année 2023, je vais parler d'un livre assez étrange et assez même très très ancien. Vous savez que dans l'histoire, on a eu beaucoup de livres qui ont été considérés comme maudits, dangereux, certains ont même été brûlés, certains ont été interdits. Que ce soit aussi bien par l'État que l'Église, par exemple. Les deux ont eu lieu. Et dès qu'ils le pouvaient, quand un livre ne leur plaisait pas, eh bien, généralement, ils essayaient de tout faire pour les détruire. Ça pouvait donner lieu à des autodafés, donc c'est-à-dire brûler les livres en place publique, ou tout simplement un autre moyen pour les détruire ou d'empêcher leur parution. Et généralement, le pire, c'est qu'on faisait de même avec les auteurs. Non, on les brûlait pas en place publique, mais on va dire, pour rester poli, on salissait bien leur nom et leur renommée pour que les gens évitent du coup d'acheter ce qu'ils faisaient. Du coup, eh bien, cela a fait quelques savoirs perdus, puisque même si certains livres étaient interdits par l'Église, c'était peut-être assez culturellement parlant intéressant, mais on l'a perdu depuis. Il y a eu des morts étranges quand même liées à ce fait, ou des récits dramatiques dans des manuscrits qui ont jamais disparu, et bien tout simplement à cause de ces combattants de l'inconnu. Donc comme je disais, c'était bien aussi bien les autorités, l'État, que l'Église. On ne s'en prend pas qu'à l'Église là-dessus, les deux sont responsables de ces disparitions. Et l'un des livres, qui est peut-être un des livres les plus anciens, mais aussi un des livres les plus mystérieux de l'histoire, c'est celui que l'on appelle le livre de Thoth. Au vu du nom, je pense peut-être que vous avez déjà entendu parler de Thoth et que vous devez vous douter que nous parlons d'un livre qui date de l'Égypte ancienne. Selon la légende, on dit que Thoth, qui je vous le rappelle était un dieu égyptien concernant la sagesse et la connaissance, il possédait un tel grand savoir qu'il avait une emprise sur le monde entier. Et c'est lui qui a permis d'offrir aux hommes tout ce qui concerne la littérature. Et il était aussi chroniqueur des dieux. Avant de parler du livre de Thoth en lui-même, et étant quelqu'un qui adore l'Égypte ancienne, enfin l'Égypte pharaonique surtout, mais aussi les divinités égyptiennes, je vais me permettre, si vous le voulez bien, et puis de toute façon, si vous ne voulez pas, vous passez la vidéo pour échapper. Par contre, je ne peux pas mettre de timecode, je ne sais pas encore. Mais je vais quand même tout d'abord par vous parler du dieu Thoth. C'est quand même mieux de vous présenter ce dieu, ce personnage de l'Égypte. Souvent, lorsqu'on le représente, il va avoir le corps naturel d'un être humain, voilà, basique. C'est au niveau de sa tête qu'il va être bien défini et reconnaissable, puisque sa tête, c'est la tête d'un oiseau ibis. On voit aussi généralement, dans les grandes représentations, lui mettre dans la main une plume de roseau et une palette d'encre que l'on utilisait pour écrire sur les parchemins. Deux autres symboles qui peuvent représenter le dieu Thoth, c'est la lune et le babouin. Si on en croit la tradition la plus ancienne de l'Égypte, c'est Thoth qui a inventé l'écriture et qui va servir de secrétaire lorsque les dieux vont décider de se réunir lors de, bien sûr, différentes réunions. Désolé pour la répétition. Thoth va ainsi au fil du temps devenir le patron des scribes, des lettrés, et il va régir l'écriture et le langage. C'est lui qui va disposer de sa parole puissante, de sa propre lumière,
Et quand on parle de propre lumière, on veut parler de son intelligence, de la raison. Il est capable de ramener les gens à la raison, donc vers cette fameuse lumière de, entre guillemets, vérité. Et c'est lui aussi qui va en partie ramener ce qu'on appelle le possesseur de droit, Ré, donc le dieu Ré, à la vie, pour lui accorder la santé et la force. Et c'est également lui qui va assister Osiris dans son œuvre civilisatrice, puisque les dieux les plus connus de l'Égypte sont Osiris et sa femme Isis. Mais je ne vais pas vous expliquer qui est Osiris Isis, sinon il va falloir que je vous fasse tout ce qui concerne la théologie égyptienne. Je suis pas sûr que vous soyez prêt à ça. On va se contenter de continuer de parler de Thoth. Alors généralement on l'appelle Thoth, mais certains, quand ils parlent de lui, utilisent aussi la définition de seigneur du temps, puisqu'il a aussi apparemment la capacité de régir les cycles de la lune. On va le représenter par un ibis sacré, et quelquefois par un cynocéphale, donc c'est des oiseaux typiquement africains. Et les savants grecs, eux, ont perçu cet aspect sacré de l'écriture égyptienne. C'est eux qui vont donner ce nom que l'on connaît aujourd'hui et que l'on utilise pour nommer cette écriture égyptienne, donc faite de dessins, que l'on appelle donc les hiéroglyphes, qui sont des signes sacrés gravés. On associe également Thoth à la ville d'Hermopolis, dont on ne sait pas beaucoup de choses, et aussi à des royaumes souterrains sur lesquels quelque part on en sait encore moins. Selon la légende, c'est Thoth qui habille l'âme du vêtement de vérité tissé par Isis, afin que celui-ci puisse monter dans la barque solaire. Il fait aussi partie du Cus du jugement. Alors le Cus, je me doute que la majorité d'entre vous ne savent pas ce que c'est. C'est en fait lorsque vous mourrez en Égypte, votre âme doit être jugée. Et en fait, c'est là-bas, justement, à ce Cus, que celle-ci va être jugée. Et le Cus, c'est donc toute cette assemblée d'entités qui vivent dans l'horizon céleste et qui président ce fameux jugement de l'âme. Vous avez peut-être déjà entendu parler du fait de peser son âme, de savoir si elle est plus lourde ou plus légère que la plume. Eh bien, tout cela nous vient de l'histoire et donc des dieux égyptiens. Pourquoi il est dans ce fameux Cus ou dans cette assemblée? Tout simplement, comme je vous l'avais dit, puisqu'on le qualifie d'intelligence divine et de lumière spirituelle, ça signifie donc pour les Égyptiens qu'il était donc la lumière de l'âme, le juge sublime, et quelquefois, malheureusement, le tortionnaire sublime. Plus tard, chez les Grecs, on va associer et changer le nom de Thoth quelque part, puisque si on observe à peu près Hermès, c'est un petit peu la fonction qu'il a dans la théologie grecque. C'est pour ça que souvent, historiquement parlant, Hermès est assimilé au dieu Thoth. Maintenant, nous allons donc, maintenant que vous savez un petit peu mieux qui est ce dieu Thoth, parler donc de la création de ce livre, ce qu'il contient, etc. Sachez qu'au premier temps de la civilisation égyptienne, il y a eu un mystérieux personnage qui est intervenu dans le haut clergé. Les connaissances qu'il avait vont venir compléter le legs traditionnel. Ce personnage, ils décidèrent de le nommer Thoth, dieu des lettres et des sciences, scribe divin. La connaissance qu'il va apporter à l'Égypte va redonner à la tradition primordiale un souffle de vie. Thoth va donner aux hommes l'enseignement sacré, c'est-à-dire un ensemble restructuré de la tradition par l'intermédiaire d'un livre symbolique qui était un enseignement qu'ils ont nommé le livre de Thoth. Cette tradition était alors synthétisée par Thoth, qui était venu d'un lointain royaume. On disait que grâce au livre de Thoth, on pouvait voir le soleil face à face. Ça signifiait, dans le langage des initiés, que l'enseignement que vous apportait ce livre était l'intégralité de la tradition solaire donnée aux hommes. Il va malheureusement être considéré comme maudit par certains, puisque cet enseignement permettait à l'homme, quelque part, de se hisser au rang des dieux. Cela apportait aussi des connaissances immenses, et il était donc secrètement et jalousement conservé par les prêtres du haut clergé égyptien. Celui qui possédait le livre de Thoth était conduit à l'initiation d'Isis, et il pouvait ainsi voir la déesse face à face.
Vous voyez, le livre de Toth, très tôt, a fait parler de lui et était jalousement gardé et par une seule personne. En ce qui concerne ce qui, à quoi il ressemblait, puisque apparemment celui-ci a disparu depuis, puisque tout ce qui est appelé livre de Toth serait apparemment que des copies, on pense que l'époque à laquelle supposément vivait Toth amène à penser que le livre qu'il aurait écrit devait se présenter sur un papyrus très ancien et que au fil du temps, justement, au vu du fait qu'on le considérait maudit, qu'on le cachait secrètement, etc., eh bien, on aurait recopié celui-ci à plusieurs reprises, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est connu encore de nos jours. En ce qui concerne la date de son écriture, on pense que ça remonterait à 10 000 ou peut-être 20 000 ans. Sur son contenu, on dit que celui-ci contenait deux sorts. Le premier, c'était celui de permettre de comprendre les animaux, et l'autre était de comprendre l'esprit des dieux. La première fois que l'on voit l'apparition de ce nom de livre de Toth, c'est lorsqu'il sera mentionné dans le fameux papyrus de Turin. Ce papyrus, en fait, décrit un complot contre le pharaon à l'aide de la magie. Tous les participants à ce complot ont alors été exécutés, et à ce moment-là, on a maudit le livre, puisque celui-ci enseignait l'acte illégal selon la loi égyptienne, et on a donc brûlé ce livre. Mais même brûlé, comme je vous disais, il y a eu des copies qui ont été faites un peu à droite à gauche, ce qui fait que ce livre va apparaître plus tard dans l'histoire, toujours égyptienne, et il va se retrouver dans les mains de Khanuas, qui était le fils de Ramsès II. Celui-ci apparemment aurait eu un exemplaire original qui aurait été écrit par la main de Toth, pas par celle d'un scribe tout simplement recopié. Ce qui laisse supposer donc qu'apparemment Toth aurait écrit plusieurs exemplaires, puisque l'un a été supposé brûlé, et là on dit que l'exemplaire est supposé original. Là on en revient quelque part sur ce qu'on disait un peu plus tôt, c'est-à-dire que d'après les documents qu'on a pu observer, lorsqu'on parle de ce fameux livre de Toth qu'avait Canuas, celui-ci est décrit comme un livre qui permettait de voir le soleil face à face et qui donnait le pouvoir sur la terre, l'océan et les corps célestes. Il donnait aussi le pouvoir d'interpréter des moyens secrets qu'utilisaient les animaux pour communiquer entre eux. Et peut-être ce qui le rend un peu plus illégal vraiment dans le sens du terme, si on peut dire ça comme ça, c'est que celui-ci aurait permis également de ressusciter les morts et d'agir à distance. Alors bien sûr, cette histoire ne nous est pas venue comme ça, hein. Ce sont des documents d'époque qui ont été retrouvés qui nous permettent de savoir quel exemplaire exactement avait Canuas et qui ressemblait vraiment à celui, du moins qui est décrit comme étant le livre de Toth. Vous vous doutez que grâce à ce qu'il fait, c'est-à-dire avoir le pouvoir sur la terre, l'océan, les corps célestes, pouvoir avoir le soleil en face, notamment ressusciter les morts, ça en fait un livre quand même assez dangereux, et on peut le comprendre. À ce moment-là, Canuas, on ne sait pas réellement ce qu'il va faire, puisque on suppose qu'il va brûler le livre original, mais on pense qu'il a seulement prétendu le faire. Puisque on dit de ce texte que ce livre jaillit du feu et qu'il est indestructible par le feu. Ce qui est donc assez contradictoire de dire que Canuas l'a brûlé si le livre est censé être indestructible par le feu, donc on ne peut pas le brûler, théoriquement. Mais là, l'histoire reste un peu floue sur ce qui est réellement arrivé à l'ouvrage que possédait Canuas. On a une autre ancienne histoire égyptienne qui nous dit qu'un prince d'Égypte va trouver ce fameux livre après avoir évité toute une série de pièges. Pour le punir du fait qu'il ait trouvé ce fameux livre, toute la famille du prince va être tuée et le prince, désespéré, va se suicider. Des années plus tard, c'est un nouveau prince qui va trouver ce livre. Cependant, il sera averti par le fantôme de l'ancien prince, vous savez, celui dont je viens de parler qui s'est suicidé. Celui-ci va lui conseiller de ne pas prendre ce livre, de le laisser là où il est parce qu'il ne lui apportera que du malheur. Malheureusement, celui-ci ne va pas vraiment écouter ce qui était dit. Et rapidement, après avoir été en possession de ce livre, il sera convaincu par une belle femme de s'humilier
et de tuer ses propres enfants. Cependant, il va quand même découvrir que tout cela n'était que juste une illusion créée par le fantôme du fameux prince. Mais pour lui faire comprendre que si tu continues d'avoir cette idée-là d'emporter ce livre avec toi, des choses horribles comme celles que je viens de te montrer risquent fatalement d'arriver. Là, ce prince a commencé à comprendre et a préféré replacer le livre dans la tombe du vieux prince et de refermer la tombe et de s'en aller pour être plus tranquille, on ne sait jamais. Alors, à toutes ces histoires, on pourrait se dire que, soit il est resté enterré avec le vieux prince, soit il est potentiellement brûlé, ça, encore c'est contradictoire, on ne sait pas, mais on pourrait se dire que, on a plus grande chance de le trouver sur notre chemin. Seulement, vers 300 avant notre ère, le livre de Thoth va faire une nouvelle apparition. Il sera lié apparemment à Hermès Trismégiste, qui est le fondateur de l'alchimie. À cette époque-là, chaque mage, comme on les appelait, qui habite à Alexandrie, affirmait posséder le livre de Thoth. Après, est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'était de simples vantardises? Personne ne le savait vraiment. Tout ce qui était sûr et certain au final, c'est que tout ça finissait toujours par le même sort, c'est-à-dire que, qu'il soit vantard ou qu'il possédait vraiment le livre de Thoth, tous sont morts à la suite de divers accidents. Entre le début du 1er siècle avant Jésus-Christ et la fin du 2e siècle après Jésus-Christ, vous allez avoir beaucoup de livres qui vont commencer à apparaître comme ça et qui vont ensemble, si on les rassemble, constituer ce qu'on appelle le Corpus Hermeticum. Et justement, c'est ce que plus tard, à partir du 5e siècle, certains vont faire, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de rassembler ensemble tous ces livres. Et lorsqu'ils vont les étudier, ils vont remarquer qu'on le retrouve beaucoup de références dans ceci au livre de Thoth. Cependant, il n'y a jamais une seule indication qui précise que effectivement c'est bien le livre de Thoth. Il n'y a à aucun moment quelque chose qui permettrait de prouver et de dire qu'on a retrouvé ce livre. Les textes les plus célèbres donc qui composent ce Corpus Hermeticum sont les textes L'Asclépius, le Core Cosmo et le Pomandres. Tous vont se référer au livre de Thoth, mais jamais aucun donc, de ces livres ne citera directement ni ne donnera aucun moyen de consulter le véritable livre de Thoth. L'Asclépius, lui, va fournir quand même des images un peu étranges du pouvoir des civilisations disparues. En disant, et là je cite un passage de ce livre, « Nos ancêtres avaient découvert l'art de créer des dieux. Ils fabriquèrent des statues, et parce qu'ils ne savaient pas créer des âmes, ils appelèrent les esprits des démons et des anges, et les introduisirent grâce au mystère sacré dans les images des dieux, de sorte que ces statues ont reçu le pouvoir d'exercer le bien et le mal. » Si nous continuons comme ça à nous balader un petit peu dans l'histoire, nous allons arriver au Moyen-Âge et sous l'Inquisition, où il y avait des gens qui propageaient des manuscrits assez mystérieux. Et dès que ceux-ci étaient trouvés, ils étaient immédiatement brûlés. Malgré cela, le savoir que ces fameux manuscrits possédés refaisait à chaque fois surface. Bien que personne à ce moment-là n'ait pu lire le vrai livre de Thoth réellement, que ce soit écrit par Thoth lui-même, ou retranscrit ou bien imprimé depuis, on suppose que ces fameux manuscrits seraient des parties du livre de Thoth qui auraient été reproduits d'une quelconque façon. Et dès que un morceau était trouvé, on le brûlait justement par rapport au fait qu'on pense que celui-ci soit maudit. Quelqu'un de célèbre dans l'histoire a été un héritier de ce livre, Pythagore. Je vais peut-être vous rappeler quelques mauvais souvenirs de maths, je suis désolée. Mais là, on va en parler pour l'histoire, bien sûr. C'est que, officiellement, Pythagore était héritier du livre de Thoth. À son tour, il va léguer sa science à certains de ses disciples. Bien plus tard, après qu'il y ait eu différents groupes secrets qui ont été créés, il va véhiculer cette connaissance fondamentale. On va notamment, par exemple, retrouver ses connaissances et le livre de Thoth chez un groupe mystérieux qu'on appelle donc les Presbyteros Johannes, qui vont écrire l'évangile de Jean, et cela près de 2 siècles après la venue du Christ. L'église de Jean, ou l'église
ésotérique qui donnera plus tard naissance à quelque chose que l'on connaît aussi bien, puisqu'il s'agit de l'ordre du Temple. Si nous faisons encore un bond dans l'histoire maintenant, et que nous allons au XVe siècle, on y retrouve une légende qui raconte qu'une société secrète, à ce moment-là, diffusait un abrégé du livre de Thoth sous la forme de cartes de tarot. Du moins, c'est ce qui est écrit dans des travaux d'un chercheur français qui s'appelle Antoine Cour de Gébelin. Il affirme qu'il aurait trouvé ses connaissances dans un livre d'Égypte ancienne qui aurait survécu à l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Et il déclare à propos de ce fameux livre, « Il contenait leurs enseignements parfaitement conservés sur les sujets les plus intéressants. Ce livre de l'ancienne Égypte et le jeu de tarot, nous l'avons en carte à jouer. » Puis dans son livre d'histoire de la magie, Paul Christian, Jean-Baptiste Pitois, qui était un bibliothécaire du ministère de l'Instruction publique, cela sous Napoléon III, va lui aussi indiquer que les plus grands secrets des sciences de la civilisation égyptienne et les principaux points concernant le livre de Thoth pouvaient se retrouver dans ces fameuses cartes de tarot. Mais quelque part, le livre de Thoth a disparu même s'il persiste dans ces cartes de tarot. Ce n'est pas le livre de Thoth tel qu'il a été connu au départ. La notion du livre va réapparaître, mais pas le livre physiquement parlant. On va découvrir sur une stèle d'une tombe de Metternich une inscription assez spéciale. Alors pourquoi on l'appelle la stèle Metternich? Tout simplement puisqu'elle a été offerte à Metternich par Mohammad Ali Pacha. On a découvert sur cette stèle en 1828 et qui date de 360 avant Jésus-Christ une notion de ce fameux livre de Thoth. Si on regarde ça à l'échelle de l'histoire égyptienne, c'est quelque part un document, on va dire, assez moderne. On continue à avancer dans l'histoire. Au XVIIIe siècle, l'histoire du livre de Thoth a continué à se balader, et le fait que ce soit un livre maudit qui parle de magie, etc., a continué quelque part à fasciner certaines personnes. Ce qui fait qu'à cette époque, tout bon charlatan prétendait qu'il possédait un exemplaire du livre de Thoth. Bien sûr, lorsqu'on leur demandait à voir celui-ci, aucun ne pouvait montrer en personne, physiquement parlant, le livre de Thoth. Et de toute façon, vu le contenu qu'on supposait être de la magie, et où une époque où l'Inquisition malheureusement existait toujours, beaucoup de ces gens qui disaient posséder ce livre sont morts sur le bûcher. Et cela jusqu'en 1825. Puisque en 1825, l'Inquisition marchait encore en Espagne et elle continuait de brûler ceux qu'on supposait sorciers ou ceux qui voulaient distribuer un savoir magique, ce qui était le cas quelque part de ces gens qui prétendaient avoir le livre de Thoth. Mais ce qui est marrant, c'est que depuis plusieurs années, quelque part, on a soit des reproductions, soit des notions, mais aucun parle vraiment, quelque part, d'un vrai livre de Thoth écrit. On a caché à droite à gauche dans des textes, on a des notions que l'on suppose être du livre de Thoth sans vraiment avoir la notion qui nous dit que ça vient bien du livre de Thoth. Donc, est-ce qu'il existe encore vraiment un exemplaire de ce livre de Thoth? Au 19e et 20e siècle, vous avez plein d'histoires de mages et d'alchimistes qui disent avoir eu entre leurs mains le livre de Thoth. Cependant, aucun de ceux-là n'a souhaité montrer ce livre au monde. Ils avaient bien sûr peur de mourir, puisque comme vous avez pu le remarquer, à partir du moment où vous avez possédé le livre de Thoth, quelque part, votre destin était clairement tracé. Certes, vous aviez une connaissance mystérieuse et plus importante que tout être humain sur Terre, mais vous mourriez aussi très vite derrière. Tout ce que l'on sait du livre de Thoth à l'heure actuelle se trouve à la Bibliotheca Alexandrina, où on peut aller y voir quelques feuilles disparates qui sont sur des feuilles de papyrus et qui seraient supposées du livre de Thoth. Mais au final, est-ce vraiment des morceaux de papyrus provenant du livre de Thoth? On n'en a pas vraiment la réponse. Et quelque part, vu la proportion que cela a pris,
Est-ce qu'il est vraiment important de savoir si ce livre de Thoth a réellement existé, s'il est vraiment maudit ou pas? Puisque maintenant que la légende a commencé à faire parler d'elle et vous avez vu qu'elle a bien vécu tout au long de l'histoire, puisque je vous rappelle quand même que la légende elle date... supposément, le livre de Thoth aurait été écrit il y a 10, 20 000 ans en arrière. Et l'histoire continue encore aujourd'hui, donc... Laissons quelque part les légendes alimenter l'imagination, puisque quelque part on n'est pas sûr que les feuillets qui sont dits provenant du livre de Thoth en viennent véritablement. Et quelque part, même s'il est supposé maudit, ben, personne n'est capable de vous montrer clairement, visuellement, physiquement parlant, qu'il possède le livre de Thoth. Donc il se peut très bien au final que... Ben, l'histoire, oui, a pu être produite, réinscrite à droite et à gauche pour pouvoir se balader dans le temps. Mais que le réel livre de Thoth tel qu'il aurait supposément été écrit par le dieu Thoth de A à Z, eh bien finalement disparu et peut-être été brûlé ou disparu d'une autre manière, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a plus aucune version qui existe actuellement. Alors vous avez un petit complément à tout cela. Alors c'est quelqu'un qui a fait des recherches, qui a trouvé cela. Qui est un récit authentique dans un livre qui s'appelle The Wisdom of the Egyptian, écrit par Brian Brown, publié en 1928. Et il sera cité par Lynn Carter dans une anthologie nommée Golden Cities 4, où on parle d'un papyrus égyptien dont l'histoire qui est écrite dessus, et qui en est donc extraite et arrivée jusqu'à nous, daterait d'environ 33 siècles. Sur ce papyrus, il y aurait cette histoire. Nefer Ka Ptah aurait trouvé la trace du livre de Thoth grâce à un prêtre ancien. Ce livre était gardé par des serpents et des scorpions, et notamment par un serpent immortel. Il était enfermé dans une succession de récipients emboîtés, lesquels récipients gisaient au fond d'une rivière. Aidé par un magicien, prêtre d'Isis, Nefer Ka Ptah va soulever cette boîte grâce à un engin de levage magique. Il va couper le serpent immortel en deux et enterrer les deux moitiés dans le sable, suffisamment loin l'une de l'autre pour qu'elles ne puissent pas se rejoindre. Il va d'abord lire la première page du livre et il va comprendre le ciel, la terre, l'abîme, les montagnes et la mer, le langage des oiseaux, des poissons et des différentes bêtes sur terre. Il va lire la deuxième page et il va alors voir le soleil luire dans le ciel nocturne, et autour de ce soleil, les grandes formes des dieux eux-mêmes. Il va alors décider de rentrer chez lui, prendre du papyrus neuf et un pot de bière, et il va écrire des formules secrètes du livre de Thoth sur ce fameux papyrus. Puis il va tremper ces papyrus dans la bière, pour que quelque part l'encre des formules se dissolve dans celle-ci. Et une fois que ces supposées formules se sont bien mélangées à la bière, il va boire celle-ci. Et ainsi pour lui, tout le savoir du grand magicien et tout le savoir donc du dieu Thoth était maintenant en lui grâce à cette solution. Cependant, Thoth va revenir du pays des morts et il va se venger de ce qu'avait fait Nefer Ka Ptah. Le fils d'abord de Nefer Ka Ptah, puis Nefer Ka Ptah. Et sa femme plus tard vont mourir. On va enterrer le fils de Nefer Ka Ptah avec tous les honneurs dus à un fils de roi. Et le livre secret de Thoth va être enterré avec lui. Comme vous l'avez vu, malheureusement, apparemment, ce ne fut pas pour toujours. Puisque, je l'ai évoqué avec vous, ce fameux livre de Thoth va s'amuser à réapparaître comme ça à travers les siècles. Il y a une légende postérieure qui dit que la momie de Nefer Ka Ptah a les mains serrées autour du livre de Thoth, et qu'elle aurait été retrouvée par un certain Apollonius de Tyane. La seule question aussi à se poser, à part le fait de savoir si ce n'est que pure légende, ou si ce livre a vraiment existé, c'est comment ce livre a pu arriver jusqu'à nous. Puisque celui-ci va apparaître souvent, que cela soit donc avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, du 5e siècle de l'ère chrétienne jusqu'à encore aujourd'hui, comment celui-ci a pu être reproduit, ou du moins partiellement reproduit, sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas l'invention de l'imprimerie ou encore de la photographie.
puisqu'il est supposé que l'Inquisition avait brûlé quand même pas mal de fois des versions ou des morceaux de versions qu'ils avaient pu trouver pour justement anéantir à jamais ce fameux livre. Et si on s'amusait à vouloir parler de tous les incidents qui sont supposément liés au livre de Thoth et à leur possesseur, il faudrait apparemment limite y considérer un livre tout entier pour expliquer tout ce qui est arrivé à tous ceux qui prétendaient posséder ce fameux livre de Thoth. Après, cette question est logique, mais qui nous dit justement quelqu'un ne l'avait pas écrit sur une page quelque part et que au fil du temps celle-ci se soit trouvée et qu'elle ait pu voyager ainsi dans le secret? C'est totalement possible. Ce n'est pas parce que officiellement l'Inquisition dit avoir brûlé tant d'exemplaires, de l'avoir totalement fait disparaître, que il n'y en a pas un qui se serait un, deux, trois, comme il y a eu justement supposément ces sociétés secrètes qui auraient, eux, de leur côté, réécrit des versions. Peut-être que c'est grâce à ça justement que l'on connaît encore l'histoire de ce fameux livre de Thoth. Après, peut-être dans l'urgence, malheureusement, ils ont pu que écrire partiellement ce qui concernait ce livre, et que oui, au final, quelque part, le livre tel qu'il est supposé être écrit par Thoth lui-même n'existe plus. Il n'y a que des supposés morceaux qui racontent cette histoire de livre de Thoth, et quelque part, on n'en est même pas sûr à 100%, puisqu'on n'est pas sûr à 100% de ce à quoi ressemblait réellement le livre de Thoth à l'origine. On a juste une description que je vous ai faite un peu plus tôt. Deux points importants dont parlait le livre, mais après c'est tout ce qu'on sait, on va dire, de manière générale. Après, oui, c'est très intriguant le fait que tous ceux qui prétendaient posséder ce livre se soient retrouvés tous quelque part au même endroit. Enfin, si on est croyant, c'est une autre histoire, mais on va dire se sont tous retrouvés morts. J'ai trouvé cette histoire intéressante à partager avec vous, et comme j'ai dit au début, j'aime tout ce qui est l'Égypte des pharaons et aussi les divinités égyptiennes. Donc pour moi, c'était quand même un plaisir de vous partager ça et de vous parler un peu justement de cette histoire de l'Égypte qui, même si elle est très connue pour ses dieux, pour ses pharaons, pour certaines choses, elle est un peu moins connue. Notamment, je ne sais pas si vous étiez beaucoup à connaître l'existence de ce livre de Thoth. On a beaucoup entendu parler des livres maudits tels que le Necronomicon ou le manuscrit de Voynich ou d'autres qui sont largement plus connus que celui-là, mais on entend peu parler de ce fameux livre de Thoth. En tout cas, qu'il ait existé ou pas, même si j'aime bien l'Égypte, etc., j'aurais préféré ne pas essayer de l'avoir dans ma bibliothèque, celui-là. Par contre, on ne sait jamais, vu si tout ce qui est supposé être arrivé au supposé propriétaire de celui-ci s'avère vrai, j'ai encore envie de vivre quelque part. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, puisque nous arrivons à la fin. Et je crois que c'est une belle vidéo encore. En ce moment, je sais pas, je choisis des grands sujets. En tout cas, vous savez que vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en me notant dans les commentaires, si vous connaissiez le livre de Thoth, si vous connaissez cette histoire égyptienne, si vous connaissiez le dieu Thoth aussi. Si vous avez des propositions de livres supposément maudits, dangereux ou qui ont fait beaucoup parler dans l'histoire, pour justement ajouter et peut-être en parler dans une future vidéo sur le thème qui nous a réunis aujourd'hui dans cette vidéo. Écrivez-le dans les commentaires, n'hésitez pas à me faire un petit coucou aussi si vous avez envie, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous avez aimé la vidéo, en plus du petit commentaire, vous pouvez me mettre un petit like des familles qui fait toujours plaisir, ça c'est clair et net, je vais pas vous mentir. Et pour ceux qui passeraient sur cette vidéo, sachez que cette chaîne est totalement dédiée au paranormal sur sa plus large palette, c'est-à-dire que je peux passer aussi bien du cryptide à la creepypasta, que parler de livres maudits, que de poltergeist, que de fantômes, etc. Enfin, je parle de beaucoup de choses, il y a forcément quelque chose qui devrait vous intéresser, alors n'hésitez pas une seconde, c'est totalement gratuit. Vous avez juste à appuyer sur un petit bouton et vous me ferez le plus grand plaisir en vous abonnant à cette chaîne. Si c'est fait, eh bien normalement vous avez vu une petite cloche apparaître à côté du bouton s'abonner qui est là en fait pour régler les notifications que vous allez recevoir de YouTube. C'est-à-dire
si vous cliquez sur la cloche, vous pouvez choisir de recevoir toutes, de façon, on va dire, un peu plus facultative, ou aucune des notifications quand une vidéo sera publiée sur la chaîne. Moi, personnellement, comme d'habitude, je vous conseille de cocher recevoir toutes les notifications. Comme ça, dès qu'une vidéo est publiée, YouTube vous envoie une petite notif, vous cliquez sur la notif et vous n'avez plus qu'à vous poser tranquillement et à regarder la vidéo. Ou du moins plutôt, écouter la vidéo. Et pour terminer, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où il est possible de le faire, que ce soit de manière orale, donc collègues, famille, amis, connaissances, etc. comme de manière plus moderne, entre guillemets, parce que la modernité maintenant devient assez vieille aussi, c'est-à-dire tout ce qui est mail, internet, blog, réseaux sociaux, site internet, etc. et faire grandir tranquillement le nombre d'abonnés à la chaîne. Et je remercie tous ceux qui prennent le temps de faire ceci. Vous me faites énormément plaisir. Et n'oubliez pas, si vous voulez m'aider, j'ai créé un Ko-fi et un Utip. Donc vous avez deux solutions. Si vous voulez, voilà, me faire une petite aide ou un petit remerciement, comme vous voulez l'appeler, c'est selon votre vision de la chose. Sachez, je le répète, que cette chaîne n'est pas monétisée. Donc ce n'est pas, quelque part, entre guillemets, un salaire en plus que je vous demande. Non, non, c'est juste vraiment un remerciement. Et puis peut-être que ça permettra, en les mettant de côté, bah, si jamais j'ai, que ce soit mon ordinateur ou mon micro qui lâche, eh bien, d'avoir un petit budget qui me permettrait d'en racheter, hein, tout simplement. Eh bien, je crois, mes chers amis bibliothécaires, qu'il va être temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à jeudi pour une prochaine vidéo. Bye !